notamment le Japon, où il y a peut-être produit 6 000 et quelques savons par an. Et le deuxième pays qui suit, c'est les États-Unis, avec 5 000 et quelques savons par an. Et quand on dit 5 000 savons, ça fait 5 000 inventions. Et puis, il y a l'Allemagne, la France, l'Angleterre, avec 3 000 et quelques. Mais la plus souvent, vous pouvez remarquer que nous en avons nulle part. C'est comme ça que la Sévérine a eu la mobilisation de la jeunesse. Pour jeunesse, nous avons la capacité de découvrir les idées premières. Parce que ça, la crise analyse avant nous, va remarquer que l'Allemagne, la plupart des savants, va découvrir comme idée première de la jeunesse. Puis le reste du temps va développer comme monde. Et chez nous, en Afrique, on constate que la jeunesse africaine ne s'intéresse pas à la recherche. Et maintenant que le Congrès ne peut pas vous aider à revenir aujourd'hui, je voudrais demander à la jeunesse de pouvoir utiliser cette technologie comme instrument de recherche, parce que nous avons découvert des pistes de recherche originales. Nous allons démontrer ici. Les vignobles africains étaient une révélation de vie. Ils ne pouvaient pas passer par le débat. Notre conférence, nous l'avons pas volée. Au premier volet, je vous parlais de la révélation. Deuxième volet, je vous parlais de la découverte. Nous allons parler de l'implication de cette technologie dans la science. En ce qui concerne le premier volet, rapidement je vais vous dire que nous allons développer ce premier volet en 7 étapes. Première étape, production du niveau de brillant de l'urane de carbone. Vous pouvez se donner dans la source sacrée pour que nous soyons en fait de façon à. Deuxième point, apparition des papacillons. Au parti moral, avec des chaînes autour au bras et au pied dans le véhicule. Nous allons les transporter en bas de l'eau. Troisième point, audition des cantiques qui varient dans le ciel au long de notre voyage. Quatrième point, fin d'une constellation des étoiles dans le ciel. Cinquième point, feu prodigieux. Septième point, puis le nom planant pour faire la scène de câble. Bon. Il y a déjà parfois qui me demandent de parler de ce qu'on est de la révélation rapidement de ce point. Mais moi je te le dis, il faut que nous puissions montrer à la jeunesse. Apprendre la jeunesse, comment cette écriture nous a été révélée. Et qu'est-ce que nous avons vu pour que la jeunesse, quand ils vont s'engager dans la recherche, quand ils vont s'engager partout dans la recherche, qu'elle ne puisse pas oublier Dieu. Parce que, à part le conseil que nous donnons, le fait qu'on fait des recherches pour aller à la bibliothèque, sur 250, parce qu'aujourd'hui c'est ma 260e conférence. Partout je passe, je dis à mes frères africains, vous devez maintenant associer vos recherches à la religion. Parce que là où l'homme se sentira bloqué, Dieu intervient toujours. Raison pour laquelle j'ai toujours parlé des écritures pour que la jeunesse sache même qu'est-ce que Dieu a fait et comment nous sommes arrivés à trouver cette écriture. Donc, si je parlais de l'audition d'une voix, c'est-à-dire la drague de la dame, Kinshasa, je vais dire, bon, il y aurait une lèvre, on a pu voir la Vénia de 1904, la commune de Kinshasa, je vais dire, bon, il y aurait une lèvre, c'est pourquoi m'avait dit,
aller en Kaaba, aller me dire et venir dans la chose sacrée, je vais te donner une mission pour la race noire. Allez parler à mes parents, il y a des conversations de la part de mes parents, mais j'avais insisté. C'est comme ça que le jour suivant, nous avons voyagé avec mes proches parents, c'est-à-dire ma tante et la femme de mon oncle. Arrivé au parc Mola, ceux qui connaissent Kinshasa, dans le temps où on prenait le bus, je ne pas au parc Mola. Arrivé au parc Mola, un miracle se produisit. Dans le véhicule que nous avons mis en place, Papa Simonima est à Paris, assis à ma gauche. Ça donne une idée. Papa Simonima, décédé en 1951, mais qui va apparaître dans le véhicule, et même parmi les soldats qui bannissent. Ce sont eux qui ont vu Papa Simonima et ils n'ont pas supporté, ils n'ont pas pu supporter sa présence. Ils ont crié jusqu'à fouiller et quitter le véhicule rapidement. Ça avait créé même panique au niveau du parti. Les chauffeurs ne voulaient plus nous reprendre. Puis les chauffeurs ont dit, vous ne pouvez plus voyager avec nous parce que la route du Grand Congo a beaucoup d'obstacles. Vous restez, cherchez un autre moyen. Mais ici, personne ne pourrait vous prendre. Donc ces jours-là, tous les chauffeurs de Paris avaient refusé de nous prendre. C'est pour ça que nous étions obligés de rentrer à la maison. Troisième point, et ainsi les jours suivants, nous avons voyagé par train jusqu'à ma compagnie. Troisième point, nous sommes des cantons, une bâtisse dans le ciel. C'est-à-dire quand nous sommes arrivés à Matamoukou, mon oncle a refusé que je puisse aller à Kaaba, mais moi j'ai dit quand même, j'ai insisté, il n'a pas voulu. Lui aussi a insisté que nous devons d'abord que lui n'est pas humaniste. Il a préféré qu'on puisse voir trouver le foyer pour nous dire pourquoi tous ces miracles. Et c'est comme ça que à 4h du matin, j'avais fui avec mes dirigeants. Nous sommes partis en Kaaba. Et si la route de Kaaba, moi j'ai commencé à entendre les cantiques humanistes dans les sièges. Les premiers cantiques que j'entendais, on chantait. Donc on disait que dans ces cantiques, on dit les sacrés, vous appelez que vous allez vivre, il ne faut pas le regretter, il ne faut pas le regretter. C'est au nom de Jésus-Christ, ne regrettez rien. Eh bien, nous avons marché dans mon marché, et puis après notre cantique, on commence à chanter notre cantique, mais à ma grande surprise, les gens qui m'avaient accompagné n'entendaient rien. Et ils m'ont dit que nous n'entendons pas ces cantiques. Je ne sais pas possible. On est en train de chanter partout. Et à haute voix, vous n'entendez rien. Nous n'entendons rien. Et puis, quelque part, on charge le petit, il commence à chanter. Alléluia, c'est Alléluia. Donc, on disait maintenant que les merveilles de Dieu vont bientôt se manifester. Et puis, après, on a marché, on a marché, on arrive à un endroit. Il faisait 18h30, 19h30. Moi je dis, nous ne pouvons plus continuer à marcher, et notamment, il faut que nous puissions arriver dans un village pour dormir. Mais avant d'arriver dans un village, il faut qu'on prie d'abord. Parce que la nuit, on ne voit pas la route. Je ne sais pas ce qui peut nous arriver, nous sommes encore des enfants, il faut que Dieu nous protège. Alors, pendant que moi j'ai prié, mon cousin, nous étions fatigués parce qu'on avait bien mangé depuis le matin, lui n'avait pas obéi à ma recommandation. Il était resté là pendant que moi j'ai prié. Moi je croyais que lui était plus à genoux. Or il n'était pas à genoux, il observait la nature, et puis après il m'a. Il va me déranger. Il a coupé ma prière en me disant, il y a pas de colo. Il regarde ce qui se passe au ciel. J'ai arrêté la prière parce que ça m'a paniqué. J'ai regardé le ciel comme ça. Je vois toutes les étoiles se sont regroupées en un seul endroit. Et ça forme un joli cercle juste au-dessus de ma tête.
quel signe ça? Ah, vous savez, quand il y a quelqu'un de lui, souvent, les étoiles sont visibles qui se mettent à travers le ciel, mais ces jours-là, toutes les étoiles se sont regroupées en un seul endroit. Et en dehors de ces cercles, il n'y a que la ligne qui était restée dehors. Alors moi, je me suis dit, ah, c'est ça qu'on appelle constellation des étoiles. Donc, comme c'est le décès de l'hôtel, donc c'est que Dieu a été sur notre prière, continuons la route. C'est ainsi qu'on a vu continuer la route, on a marché, on a marché, on a marché. Et arrivé à l'époque, j'ai senti la terre commencer à trembler. Et quand vous êtes à côté du chemin de fer, lorsque le temps passe, ça fait, ça bouge, il y a des secousses que nous sentons. Mais ces jours-là, c'était beaucoup plus fort. Donc, il y avait des choses qui s'écoutent. On dirait quelque chose qui voulait. Moi, je croyais que c'était le début de l'humanité et que c'était sur toute l'étalée du pays. Et j'ai commencé à crier, j'ai dit, mais ça, c'est le tremblement de terre, ça, c'est le tremblement de terre. Et je me dis, mais le tremblement de terre, la terre ne tremble pas. Qu'est-ce qui s'est passé à la terre? Mais la terre est en train de trembler. Et puis, soudain, quelques minutes après, paf, j'ai senti mes deux pieds courir, j'ai voulu me déplacer. Je ne sais pas si c'est un miracle, je ne sais plus partir. Je dis, c'est quoi ça? Il y a un miracle, je ne sais plus partir. Alors ils ont commencé à me tirer des pas d'autres, et puis les vampires. Puis après, la pluie commençait à menacer. Ils m'ont dit, mais fuyons la pluie, mais comment je vais partir? Je suis collé. Puis il a commencé à pleuvoir une forte pluie. Une forte pluie. Sous cette pluie-là, jusqu'au matin, à 6h du matin. Bon, à 6h du matin, je tente de soulever les pieds, les petites leçons savent qu'elle est forte. J'ai dit, bon, mais les pieds, je les connais, mais je ne peux pas s'inquiéter. J'ai dit, ah, peut-être bien, mais je ne veux pas qu'on arrive en carrément. C'est comme ça qu'il nous a arrêté nos sorts. Il m'a arrêté nos sorts. Nous rentrons d'abord pour raconter ça à vos parents. Alors qu'il nous restait seulement 12 km. Et là où nous venons, c'était un trajet de plus de 50 km. Alors même on voulait rentrer, mon cousin, il prend la lampe tempête qu'on avait déposée au sol. Il constate que la lampe tempête est collée aussi. Il me dit, attends, moi je suis dans la lampe. Voilà, c'est ce que moi j'ai senti sur le pied. Donc, c'est comme une réalité pour la guerre, pour qui vous l'avez. La ligne de l'inquiétude de Madame Bénédicte. Moi-même, je suis allé, j'ai tardé de tirer la lampe en vain. J'ai dit, bon, moi j'ai été abandonné cette lampe, rentrons, quittez cet endroit. Puis on a fait des tours, quand même. Chemin de retour, on arrive, on était passé dans un village, et les gens de ce village étaient venus de pouvoir tous mouiller. Ils ont dit, mais vous deux, d'où venez-vous comme ça, tous mouiller? Dans votre portrait ici. Moi, je suis resté pour le sol pendant toute la nuit jusqu'à 6h du matin. D'ailleurs, la lame a été réalisée pour qu'on a parlé. Je dis, ah bon, vous êtes resté collé ici, dans notre contrée, devant notre village. Je dis, en tout cas, il faut que le compartir, il faut que le chef du village soit informé, parce que c'est une réputation qui est ici. Et puis, puisque vous partez en parlant, il faut que le forme aussi des pasteurs de l'église qui m'a ils nous ont promis de passer l'équipe de Maïs, ils sont allés informer les chefs de village. Alors la nouvelle était répandue dans le village, les gens venaient de partout pour venir voir, en courant pour venir voir les gens qui ont fait des miracles dans les environnements. Et après, quand ils sont arrivés, pendant qu'on me demandait qu'est-ce qui s'est passé, j'ai essayé d'expliquer au chef du village le passé. Il y a une femme qui revenait de la rivière avec son fourneau. Dès qu'elle m'a vu, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle avait ça. Elle a crié, elle a jeté le fourneau sur sa tête en disant, ah, vous faites tout de cet homme du village. Elle a fui dans la forêt en présence de tout le monde. Alors les gens m'ont demandé ce qui n'est pas un magicien. Non, je ne suis pas un magicien. Tu n'es pas une extraterrestre, non, je ne suis pas une extraterrestre. Mais comment une maman peut fuir la journée comme ça? Allez, vous demandez pourquoi elle a fui parce que